L'implication d'Alteroé dans l'Open World Forum est réelle depuis l'origine, c'est-à-dire que nous nous sommes investis dès la première édition dans cet événement en 2007. Et depuis, au cours de toutes les éditions, notamment, j'ai à titre personnel été même président de l'événement en 2010, nous sommes présents Alteroé comme co-organisateur de l'événement, dans ce qu'on appelle le Forum Committee, avec d'autres entreprises et systématiques. Et nous sommes présents dans cet événement essentiellement parce qu'il contribue par son développement, par son aura, par le fait qu'il rassemble tout ce qui compte d'important comme acteur dans l'open source, à faire en sorte que ce secteur sur lequel nous, entrepreneurs, nous sommes, se développe et nous y voyons une logique de contribution. Alors Alteroé est investi dans l'Open World Forum en tant que co-organisateur, mais aussi en tant que maître d'œuvre ou à l'origine d'un certain nombre de tracks dans cet événement-là. Notamment, depuis maintenant 4 ans, on est à la manœuvre autour d'un événement important dans le monde des DSI qui est l'Open CIO Summit, qui réunit plus de 100 DSI cette année. C'est la 4e édition, qui effectivement aborde auprès des DSI qui utilisent l'open source ou même ceux qui n'en utilisent pas, toutes les problématiques de gouvernance dans les systèmes d'information avec de l'open source. L'autre investissement cette année fort qu'on a fait en tant que TRAC, nous co-animons, nous organisons un think tank important en matière d'éducation qui s'intitule Education, Job and Floss, qui porte effectivement sur toutes les problématiques liées à la formation initiale et la formation continue au logiciel libre et aux problématiques d'emploi qui se posent aux entreprises. C'est un point important qui aura lieu le 12 octobre. Alteroé est aussi très fortement impliqué dans un certain nombre d'événements dans la partie code de l'Open World Forum, notamment dans l'animation du track PHP, qui est un moment important de cet événement-là. Et puis nous intervenons sur différents types de thématiques aussi, notamment en termes de cloud, puisqu'il y a un track important cette année dans l'édition 2012 autour du cloud. Et nous allons profiter de ce track important pour présenter un petit peu la genèse de notre propre plateforme d'hébergement cloud qui s'appelle H2O et que nous allons lancer officiellement d'ailleurs au moment de l'Open World Forum. Voilà un peu tous les événements auxquels Alteroé contribue, à la fois en moyens, en contenu et puis en sponsoring, puisque nous sommes effectivement aussi dans une logique de sponsoring par rapport à cet événement. Voilà.